Donc, la présentation, on va définir le concept d'idée prometteuse. Après ça, on va parler du rôle de l'enseignant ou de l'enseignante là, dans l'utilisation de cet outil-là. Je vais nommer quelques stratégies aussi pour l'utilisation du KF de façon générale et des idées prometteuses aussi. On va parler de quand utiliser l'outil dans le processus d'investigation, de quelle façon est-ce qu'on peut organiser le travail sur le KF à l'aide de cet outil-là et comment est-ce qu'on peut réinvestir aussi le travail qui a été fait sur le KF quand on utilise idées prometteuses. Puis suite à ça, je vais faire un partage d'écran, puis je vais pouvoir montrer directement dans le KF là, comment l'utiliser. Mais j'ai quand même un tutoriel là, qui est dans des documents de droite, dont j'ai fait des captures d'écran pour par la suite, là, si vous voulez le conserver. Donc, moi, je vais y aller directement, mais vous allez avoir le tutoriel ensuite là, pour vous rappeler les étapes. Donc, la définition du concept, on a deux définitions ici, là, selon des chercheurs qui travaillent dans les théories de l'apprentissage que prône l'école en réseau, dont la création de connaissances. Donc, le concept d'idée prometteuse, ça désigne les idées, les concepts, les opinions, les intuitions amenées dans le discours par les membres d'une communauté d'apprentissage qui travaillent dans le but de résoudre un problème complexe et authentique. Donc, quand on travaille avec le KF, là, on sait, on travaille avec les idées. Donc, il y a plusieurs idées qui sont nommées. Puis, parmi celles-ci, certaines vont être désignées comme étant prometteuses là, par les membres de la communauté, donc ici les élèves. C'est ces idées-là qui vont nous aider à vraiment préciser notre discours pour voir où est-ce qu'on veut aller. Parce que si on fait pas ce travail-là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a trop d'idées trop larges toujours. Donc, on a de la misère à approfondir parce qu'on n'est pas capable de préciser où est-ce qu'on veut aller. Donc, cet outil-là va nous permettre de faire cette précision-là selon les intérêts des élèves puis selon ce qu'eux pensent qui est prometteur dans ce qu'ils ont soulevé. Et en d'autres mots, on pourrait dire qu'une idée à travailler est une idée jugée prometteuse par la communauté qui souhaite l'investiguer davantage, la raffiner et faire en sorte que les idées et connaissances de chacun progressent. Donc, Barretta et Scardamalia sont là, les deux chercheurs principaux qu'on étudie là, dans le modèle DR en coélaboration de connaissances. Le rôle de l'enseignant, donc quand on travaille sur le KF, quand on travaille en collaboration de connaissances, l'enseignant doit accompagner, guider les élèves tout au long de la démarche. Donc, il doit soit avoir un rôle actif au sein du travail sur le KF, mais ça peut être un rôle actif aussi en dehors du KF, juste de voir, d'aller lire, faire la lecture, surveiller un peu ce qui se fait pour amener les élèves là, à pas trop s'éloigner du sujet à l'étude et de préciser un peu leur travail. Donc, il va les guider aussi dans le processus d'amélioration des idées, c'est-à-dire qu'il va les amener à aller lire ce que les autres ont écrit, puis aussi pour aller les aider à élaborer, soit par un nouveau questionnement, soit l'ajout d'une nouvelle information, sur les contributions des autres élèves. Donc, c'est là qu'on voit les enfilades sur le KF qui se développent. Donc, on a une question qui est à la base, on a les élèves qui écrivent leur première contribution, et à la suite de ça, ce qu'il faut faire, c'est que les élèves doivent aller lire ce qui a été écrit par les autres et là, élaborer. Donc, le rôle de l'enseignant à ce niveau-là est très important parce que c'est un travail qui n'est pas nécessairement intuitif au départ pour les élèves, d'aller lire ce que les autres ont fait et essayer d'aller plus loin. Donc, c'est un apprentissage qu'ils ont à faire. Donc, c'est vraiment à l'enseignant de les amener pas à pas là, vers cet apprentissage-là. Il va aussi amener les élèves à se pencher sur les idées prometteuses soulevées pour préciser le travail d'investigation et éviter de s'y égarer. Donc, comme on disait tout à l'heure, une fois que l'outil des idées prometteuses a été utilisé, il y a des idées qui vont ressortir comme étant les plus prometteuses par la communauté. Donc, on amène les élèves à se pencher sur ces idées-là, à laisser tomber peut-être les autres là, qui n'ont pas été soulevées, pour essayer vraiment de préciser puis d'approfondir le sujet. Donc, si on ne veut pas s'égarer, on doit travailler dans des chemins qui sont un peu plus précis pour essayer vraiment d'en arriver à une compréhension solide à la fin là, de ce qu'on étudie. Et l'enseignant surveille l'évolution du discours collectif quand il se rend compte que le discours s'essouffle. Donc, c'est le temps peut-être d'avoir une discussion de groupe. Une stratégie qui peut être utilisée, c'est de projeter sur l'écran, sur le tableau blanc ou sur le TNI, la perspective ou les perspectives qui sont travaillées. Puis à partir de là, on fait parler les élèves, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a appris. Puis à partir de ce travail-là, on peut essayer de préciser notre démarche. Surtout une fois que le travail avec l'outil des idées prometteuses a été fait. Donc, on va pouvoir là, projeter les idées prometteuses au tableau et là, avoir une discussion de groupe là, pertinente pour essayer de réorganiser le travail pour la suite. Donc, ça va comme venir donner un second souffle au travail des élèves. Quelques stratégies. Donc, pour favoriser l'engagement des élèves dans la démarche d'investigation, ce qu'on dit souvent, c'est d'essayer d'amener les élèves à décider la question.
Donc, c'est sûr qu'en tant qu'enseignant ou enseignante, on peut, par la discussion, l'animation qu'on fait, un peu les amener où est-ce qu'on veut, parce que naturellement, chaque enseignant a une intention d'apprentissage aussi là, au départ, mais essayer d'avoir une discussion de groupe avec les élèves pour que de cette discussion-là, une question de départ en ressorte, puis qui intéresse les élèves, qui éveille leur curiosité. Puis même au-delà de ça, on peut amener, demander à ces élèves d'aller écrire la question directement sur le CAEF. Donc, pour vraiment essayer de favoriser là, le sentiment d'engagement des élèves dans le travail, avoir plus l'impression que c'est eux qui sont en contrôle là, de ce qu'ils vont faire que seulement que ça vienne là, d'une directive de l'enseignant. Donc, c'est une stratégie qui a fait ses preuves que ça amène les élèves à être plus motivés dans le travail. Comme je viens de dire aussi, les discussions en grand groupe où le CAEF est projeté sur le tableau blanc ou le TNI ont lieu régulièrement au cours du processus. Donc, ça amène aussi ensemble là, à essayer d'avoir une compréhension de où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on veut s'en aller. Avant d'utiliser le CAEF aussi, c'est important de définir avec les élèves ce qu'est une idée, donc à la base, mais ce qu'est une idée prometteuse aussi. Donc, une idée qui peut être intéressante sans être pertinente dans le contexte d'investigation. Donc, il faut faire attention aussi à ça. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut préciser avec les élèves. Donc, même si on trouve que l'idée est intéressante, elle éveille notre curiosité, il faut juste voir est-ce qu'elle fait sens vraiment avec la question de départ, avec le sujet. Donc, d'avoir cette réflexion-là avec le groupe des fois, ça peut aider aussi à préciser le travail. Ça peut être de projeter, encore une fois, la perspective sur l'écran, puis peut-être de soulever certaines contributions, certaines idées prometteuses que nous, on a perçues qui étaient peut-être moins cohérentes là, avec le sujet, puis d'essayer de voir avec les élèves s'ils considèrent là, ensemble avec une réflexion comme ça que c'est pertinent dans notre contexte de travail. Et aussi de voir avec les élèves qu'une idée prometteuse doit être complète. Donc, il faut faire attention des fois. C'est seulement un mot ou un petit groupe de mots qui est souligné. Donc, dans certaines situations, ça peut faire sens, c'est correct. Mais il faut faire attention parce qu'une fois qu'on a le tableau des idées prometteuses, c'est sûr que c'est possible d'aller voir là, la contribution au complet. Mais, je vais juste remettre le document. OK. C'est possible d'avoir la contribution au complet pour voir dans quel contexte elle se situe, mais on aime avoir une idée qui est complète, donc qui fait sens quand même sans le reste de la contribution. Lorsque c'est possible. Donc, des fois, de la façon que la contribution est rédigée, c'est pas nécessairement possible, mais dans la mesure là, d'essayer d'avoir une idée qui est complète puis qui fait sens là, hors du contexte de la contribution. Puis, comme on disait, c'est pas une recension de mots-clés, mais ça peut être utilisé de cette façon-là aussi, dépendamment de l'intention d'apprentissage. Mais à la base, là, l'utilisation qui était précise pour cet outil-là, c'était pas ça. Quand utiliser cet outil? Donc, je vous présente une portion. Je ne sais pas si vous avez vu cet outil-là qu'on a publié plus tôt cet automne. Donc, c'est le processus, là, la démarche d'investigation en étapes. Donc, comme on le sait, là, il n'y a pas nécessairement à chaque étape, ça ne fait pas une à la suite de l'autre nécessairement dans tous les contextes, dans toutes les classes. On a quand même essayé là, de ressortir un modèle qui était plus régulier pour accompagner les enseignants dans la mise en place des démarches d'investigation. Puis, vous voyez, les idées prometteuses ont été mises aussi en étape à cet endroit-là. Donc, la façon que nous, on l'a pensé, puis Pierre-Anne, surtout, là, qui a fait son mémoire complètement sur cet outil-là, c'est vraiment, une fois que les élèves ont choisi la question, ils vont aller exprimer leurs premières idées ou ils vont amener leurs premières informations. Donc, on a la question qui est posée, on a les premières contributions des élèves. Une fois que ces étapes-là sont faites, qu'on sent que ça s'essouffle un peu, c'est là qu'on va leur demander d'aller repérer les idées qui semblent prometteurs, qui va tout de suite nous amener à spécifier où est-ce qu'on s'en va là, avec la question. Parce que c'est pas long, des fois, il suffit que la question soit moindrement large, puis souvent une question complexe, c'est assez large. Donc, c'est là qu'on peut avoir différentes idées, puis que ça peut s'éparpiller un peu. Donc, d'aller directement utiliser l'outil des idées prometteuses dès le départ, ça va nous amener à préciser l'idée des élèves. Donc, je vais vous mettre là, l'outil au complet pour donner une idée là, du processus au complet. Donc, c'est vraiment cette étape-là qui va être utilisée, mais ça peut être réutilisé plus tard aussi. Donc, comme on dit, à chaque fois qu'on sent que le discours s'essouffle, on peut faire un travail d'idées prometteuses pour essayer de restreindre toujours là, où est-ce qu'on s'en va. Mais l'utiliser comme ça dès le départ, là, ça va aider parce que souvent, ce qu'on voit dans les perspectives, c'est qu'une question qui est posée, les élèves ont répondu. Des fois, ça s'arrête là. On a l'impression qu'on a la difficulté à aller plus loin. Donc, d'amener les élèves à faire ce travail-là de recherche, de souligner les idées, bon, mais ça va les amener aussi à regarder ce que les autres ont fait, puis à se poser la question sur qu'est-ce qu'ils trouvent pertinent, puis aider à relancer le discours. Donc, on voit aussi, après l'étape de repérer les idées prometteuses, on a orienté le travail collectif. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en grand groupe,
projette sur le tableau, là, le tableau synthèse des idées prometteuses, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on décide ensemble là, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, c'est à cet endroit qu'on l'a situé là, dans un premier temps, mais comme on disait, ça peut être utilisé plus tard dans le processus, mais en l'utilisant quand même assez tôt comme ça, ça nous permet vraiment là, de donner un second souffle au travail sur le KF dans une même perspective. Donc, comment l'outil peut être utilisé pour organiser le travail sur le KF? Donc, il y a des projets qui nous ont montré différentes utilisations d'outils. Par exemple, une fois que les élèves ont sélectionné les idées prometteuses, on peut réorganiser le travail en créant des nouvelles perspectives à l'aide de ces idées-là. Donc, si par exemple, il y a 5 idées qui ressortent là, comme étant les plus prometteuses pour un sujet, mais on peut aller créer 5 nouvelles perspectives où, au centre de cette perspective-là, chaque idée va être là, mise dans le cadre d'une nouvelle question authentique. Donc, ça va l'amener les élèves à avoir un nouvel espace pour chacune de ces idées-là. Comme ça, on laisse de côté un peu notre première perspective et on va plus loin dans les suivantes. Donc, ça peut aider aussi au niveau de l'organisation quand on trouve que nos perspectives sont trop surchargées. Une fois le travail des idées prometteuses fait, on continue, mais dans un autre espace, selon les idées qui ont été soulevées. Donc, il y a un projet qui avait été fait il y a quelques années sur les balles et les rampes. Donc, les élèves devaient réaliser une balle rebondissante. Puis, dans l'idée prometteuse, ils allaient souligner les meilleures caractéristiques d'une balle qu'ils considéraient. Puis, une fois que ça a été fait, les meilleures caractéristiques ont chacune été approfondies dans une nouvelle perspective. Donc, ça a permis aux élèves d'approfondir davantage et c'était vraiment spécifique à une caractéristique. Donc, il y avait moins tendance à s'éloigner du sujet, étant donné que chaque espace était vraiment dans un sujet qui était plus précis. J'ai mis les liens, si vous allez voir, là, il y a un petit chercheur qui avait été fait pour ce projet-là. Donc, ça peut donner une idée aussi du processus qui a été réalisé par la classe. Et l'outil des idées prometteuses nous permet aussi de réinvestir le travail réalisé sur le KF. Donc, ça peut être intéressant de voir, selon les idées prometteuses qui ont été soulevées, comment est-ce que ça a été réinvesti par les élèves par la suite dans un travail de création. Donc, ça peut être de différentes façons, donc soit dans une œuvre d'art, ça peut être dans un texte, ça peut être en science, par exemple, dans la réalisation de circuits électriques, de voir comment les élèves, instinctivement, là, une fois qu'ils ont travaillé des idées de façon plus précise, comment c'est ces idées-là qui ont été par la suite là, réinvesties, donc que ça les a amenés à concevoir là, un travail de création par la suite. Donc, on a un autre exemple de projet, qui est un projet sur le Moyen-Âge. Donc, les élèves là, avaient à travailler sur le Moyen-Âge, sur le KF et à souligner des idées prometteuses. Puis on a remarqué que les maquettes qu'ils ont faites par la suite, qui devaient représenter différentes scènes de la vie du Moyen-Âge, avaient le réinvestissement de ces idées prometteuses-là. Donc, les idées qui avaient été prometteuses, c'est les idées qui ont été le plus réinvesties dans les maquettes par la suite. Donc, ça amène vraiment les idées, les élèves à insister sur ces idées-là, à les apprendre, à les assimiler aussi, étant donné que c'est vers ces idées-là qu'ils vont le plus travailler. Donc, au lieu de juste laisser une perspective comme ça en plan, ça amène vraiment, je pense, une acquisition puis une assimilation du travail là, concret par les élèves. Donc, ça faisait le tour au niveau plus théorique. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation, l'utilisation? C'est beau. J'espère que j'ai pas été trop vite. Bon, parfait. Donc, comme je vous montrais ici, là, tous les documents, vous pouvez les télécharger. Puis, il y a un petit tutoriel comme ça là, qui va montrer chacune des étapes. Mais je vais quand même aller en partage d'écran, là, vu qu'on a la possibilité de le faire, pour vous montrer les étapes directement dans le KF. Mais vous pouvez regarder cela pour la suite. Donc, je vais partir le partage. Donc, je suis déjà dans une perspective. Je me suis fait une petite perspective démo. Donc, juste pour être sûre que tout est beau. Une fois qu'on veut utiliser l'outil des idées prometteuses, on ouvre la contribution. Quand on trouve qu'une idée est prometteuse, on va venir la souligner ensemble. Donc, si par exemple, moi, ici, je trouve que les animaux dépendent les uns des autres pour s'alimenter et survivre. Je trouve que c'est prometteur. Donc, je souligne comme ça. Puis, je viens cliquer sur « Idées prometteuses ».
Et là, je vais mettre une raison. Pourquoi est-ce que je trouve que cette idée est prometteuse? Donc, ça peut être des grandes catégories, si on veut. Comme là, par exemple, on parle de la chaîne alimentaire. Je mets en contexte, c'est une problématique sur la controverse des eaux usées de Montréal. Comment est-ce que les eaux usées peuvent atteindre la chaîne alimentaire? Donc, et là, l'idée, les animaux dépendent les uns des autres pour s'alimenter, survivre. Je pourrais dire que c'est en lien avec la survie des animaux. Et j'enregistre. Une fois que c'est fait, on voit que l'idée devient bleue. Donc, l'idée, elle devient bleue pour moi, mais elle ne sera pas bleue pour les autres personnes là, qui vont lire. Donc, ça, c'est une nouveauté avec la mise à jour. Cet automne, quand une idée était soulignée par un élève, elle était bleue pour tout le monde. Donc, ça limitait le fait de souligner à une seule personne. Tandis que là, elle va devenir bleue pour moi, étant donné que moi, je l'ai soulignée, mais pas pour les autres. Et aussi, dès qu'il y a une idée prometteuse dans la contribution qui est soulignée, on voit idée prometteuse en haut ici. On peut cliquer. Et là, on va voir l'idée, on va voir la raison. Donc, on va être capable de voir là, les idées prometteuses qui sont soulignées dans une contribution. Donc, ça, c'est intéressant. Quand on ouvre une contribution, on la lit, d'aller voir les idées prometteuses soulignées. Toutefois, ce qui est intéressant encore plus, c'est de voir l'ensemble des idées dans un tableau. Donc, je ferme ici. Je peux aller sur la petite ampoule dans le menu de gauche. Là, on va attendre un petit peu. Ça ne se rafraîchit pas automatiquement, donc je vais faire ça. Je vais aller dans mon petit menu de gauche. Et là, j'ai l'ensemble des idées prometteuses de la perspective active. Donc, pour l'instant, j'en ai seulement souligné une. Donc, je suis capable de voir l'idée complète qui est soulignée. Le poids ici, c'est le nombre de fois qu'elle a été soulignée. Donc, si par exemple, il y a 5 élèves différents qui ont souligné la même idée, ici, on va avoir 5. Et le poids, c'est vraiment en ordre de poids. Donc, si par exemple, celui-ci, c'est 5, elle va être en haut des autres si leur poids est moins élevé. Donc, automatiquement, là, en ouvrant le tableau, une fois que le travail avec les élèves est fait, on est capable de voir là, en ordre de poids le nombre, les idées prometteuses. Donc, ça peut nous aider à la fin à choisir lesquelles est-ce qu'on veut réinvestir. Parce que c'est certain qu'on ne peut pas nécessairement préciser toutes les idées qui sont considérées comme prometteuses par les élèves, parce que souvent, il y en a plusieurs. Mais on va aller essayer d'investir du temps sur les idées qui ont un poids plus élevé, donc qui ont été considérées prometteuses par plusieurs élèves. Et dans la dernière colonne, on peut aller voir là, le titre en fait, de la contribution. En cliquant sur la petite flèche, on a le contenu complet de la contribution. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on a de la misère à comprendre l'idée hors de son contexte, bon, on peut venir voir dans la contribution ici, puis aller voir l'idée dans quel contexte elle se situait pour mieux la comprendre. Et on a le titre en haut ici pour aller la rechercher aussi plus rapidement là, dans la perspective. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc on souligne les idées prometteuses, on projette ce tableau-là, c'est ce tableau-là que je parlais tout à l'heure, qu'on peut projeter avec les élèves et regarder les idées. Puis une fois que ces idées-là sont dans le tableau et qu'on décide qu'on veut préciser, ce qu'on peut faire, c'est amener les idées vers une nouvelle contribution. Donc, si par exemple, moi, je veux amener une nouvelle question sur la survie des animaux, je pourrais sélectionner mon idée comme ça. On peut en sélectionner plusieurs. Donc, si j'en ai juste mis une en exemple, mais si on en avait 5-6 idées, je pourrais aller en chercher 2-3, par exemple, qui ressemblent au même thème. On va les chercher et on fait vers une nouvelle contribution. Je vais mettre un titre à cette nouvelle contribution-là. Donc, je vais rester dans mon thème de la survie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je peux venir chercher une perspective où est-ce que je veux l'amener. Donc là, ici, si par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, là, on veut envoyer le travail pour le continuer, l'approfondir dans un nouvel espace, c'est là, ici, qu'on pourra aller chercher la nouvelle perspective et la sélectionner. Donc, c'est sûr qu'avant de faire ce travail-là, les perspectives doivent être déjà créées, parce que si je cherche dans ma liste ici, je n'aurai pas de nouvelles perspectives, parce que je n'en ai pas créé de nouvelles. Donc, avant de faire le travail là, de cocher les idées prometteuses, on va créer nos nouvelles perspectives. Puis, après ça, on va faire enregistrer. Par exemple, là, je vais la laisser dans la même. Et on voit qu'elle est apparue ici. Donc, si j'ouvre ma nouvelle contribution, on voit mon idée prometteuse qui est en bleu. Donc, comme automatiquement, on le sait que c'était une idée qui était prometteuse dans une autre contribution qu'on a amenée ici. Et si on veut enrober un peu cette idée-là, il ne faut pas la laisser nécessairement toute seule comme ça. Par exemple, là, on pourrait composer une nouvelle question de départ. On va cliquer sur « Modifier » en bas ici. Puis, on va ajouter du texte. Donc là, on pourrait écrire une nouvelle question de départ, par exemple. Donc, à partir de cette idée-là, voici notre nouvelle question. On pose une nouvelle question, on contribue, puis on peut poursuivre le travail.
Donc, globalement, c'est à ça que ressemble le travail sur la plateforme. C'est assez simple, il faut juste pas trop se mélanger dans les étapes. Mais comme je disais aussi, là, la création des nouvelles perspectives avant le travail ici. Donc, une fois qu'on coche, c'est sûr qu'on ne sait pas nécessairement, avant d'avoir affiché ce tableau-là, avant d'avoir travaillé avec les élèves, on ne sait pas quels vont être les sujets des nouvelles perspectives. Donc, ce que je vous invite à faire peut-être, c'est de créer, ça peut être 4-5 perspectives, juste les numéroter, par exemple, 1, 2, 3, 4. Puis une fois qu'on aura envoyé la nouvelle contribution dans la perspective, là, on pourra la renommer selon le thème là, qui a été placé à l'intérieur de cette nouvelle perspective-là. Donc, je pense que ça serait peut-être la façon de faire, là, à moins que les élèves ou vous savez vraiment d'avance quels vont être les thèmes, mais si c'est vraiment avec les élèves que ça émerge, j'irais de cette façon-là. Donc, on crée quelques perspectives là, avec des noms globaux, puis par la suite, on les renomme selon les thèmes qui vont y avoir été déposés.